Voilà à quoi ressemblent les bâtiments de la cité universitaire après les incidents. Des locaux saccagés et des documents brûlés. À l'extérieur, les étudiants résidant à la cité découvrent les dégâts, des vitres cassées à coups de pierre. Tout commence hier quand un étudiant issu de la région du Sud reçoit un coup de couteau mortel alors qu'il se bagarre avec un groupe de jeunes. Son décès aurait provoqué la colère d'autres étudiants issus de la même région. Dès qu'ils ont appris le décès de l'étudiant, d'autres étudiants issus des régions du Sud sont descendus dans les rues de Madina Al-Irfan et ont commencé à saccager tout sur leur passage. Tout sur leur passage, les devantures des établissements, les abribus et les voitures. Même les lignes du tramway n'ont pas été épargnées. Ils ont commencé à arracher tous les poteaux appartenant à la société tramway. Ils ont saccagé le poste qui allait être servir pour les tickets. Des dégâts qui vont coûter cher à la société du tramway de Rabat Salé, près de 3 millions de dirhams. Cet après-midi, la vie a repris son cours normal à Madinat Al-Irfan. Alors que l'enquête se poursuit toujours, la police mène des investigations pour identifier les responsables et les présenter devant la justice.